Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve toutes de rouge vêtue, que ce soit le haut, les ongles ou le bandeau. Et comme vous l'aurez vu, je pense à la miniature comme au titre de la vidéo, on se retrouve pour une vidéo Noël. Donc comme vous le savez, j'aime trop faire des petits DIY. D'ailleurs, je vous en avais fait pour l'automne. Je vous remettrai la petite vidéo dans le i, je pense ici ou ici, je ne sais plus. Et là, je me suis dit que j'allais faire pareil, mais version Noël. Mais cette fois-ci, une petite vidéo vraiment beaucoup plus courte, puisque c'est la vidéo du mercredi. Donc vous savez que j'essaye toujours de faire des vidéos plus courtes le mercredi et plus longues le dimanche. Donc voilà, j'ai pas encore installé ma déco de Noël, mais j'ai commencé à faire mes petits DIY pour justement cette déco-là. Normalement, la prochaine vidéo qui sera dimanche sera la fameuse vidéo décoration de Noël. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose les DIY, comme ça quand vous les verrez directement dans ma déco, bah, j'essaierai de vous refaire venir sur cette vidéo là pour que vous puissiez voir comment je les ai fait. C'est vraiment hyper simple, il n'y a rien de fou, c'est avec du matériel lambda. J'ai utilisé ma Cricut pour deux DIY. Si jamais vous n'en avez pas, n'hésitez pas à faire ça avec du feutre tout simplement. Vous avez des feutres blancs, des feutres noirs que vous trouvez dans tout ce qui est espace culturel, Cultura, etc. ou même sur Amazon. Si jamais, je vais essayer de vous trouver des liens et les mettre dans la barre d'infos. Mais voilà, c'est des petits DIY tout simples. Il y en a un qui me tient à cœur, de toute façon je vous dirai dans la vidéo, j'aime trop. C'est vraiment quelque chose qu'on voit quasiment que aux États-Unis. En France ça coûte hyper cher. J'en avais parlé avec ma copine Anna d'Intérieur Femme House. On en a trouvé sur certains sites, ils sont à plus de 60 € voire 80 €. Donc là j'ai réussi à en avoir pour 25-30 €, donc je suis trop contente. Et puis j'ai pu le faire moi-même, donc j'ai pu faire ce que je voulais. Donc c'est parti, j'arrête de parler et on se retrouve pour les petits DIY. On va commencer avec ce premier DIY. Je suis vraiment désolée, je suis malade, donc si j'ai une voix un petit peu bizarre, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu le repartage d'une abonnée d'un compte Insta. J'ai trop aimé, donc j'ai voulu refaire le même. Donc j'ai trouvé ce cadre chez Emmaüs, j'ai payé quand même un peu cher, 15 €. Je pense que vous pouvez en trouver des moins chers en brocante, dans les brocantes permanentes, etc. Franchement, moins de 10 € facilement. Moi, il coûtait 15. Après, c'est vrai qu'Emmaüs ont augmenté vachement leur prix, je trouve. J'étais en train de parler avec Noé, je crois, en même temps, donc c'est pour ça que je m'arrête un peu, mais vous inquiétez pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la toile. Si jamais c'est une toile peinte, pas comme celle-ci qu'il y a dans votre cadre, et ben vous allez peindre directement dessus. Une fois que j'ai enlevé la toile, j'enlève bien tous les morceaux qui sont en dessous, puisqu'en fait c'est un cadre qu'on ne peut pas enlever malheureusement. Donc voilà, c'est important de bien les enlever, de ne pas laisser dépasser. Et ensuite on va s'attaquer à la peinture. Pour la peinture, j'ai décidé de prendre de l'acrylique qui vient de chez Jiffy, donc du magenta, et l'autre plus foncé, je crois que c'était un bordeaux. Le magenta sort vachement orange, je trouve, à la caméra. Il l'était beaucoup moins quand j'ai fait mon DIY, mais j'ai quand même rajouté du bordeaux parce que justement c'était trop clair à mon goût. Donc voilà, je vais mélanger directement sur la surface et je vais peindre. Santa's gonna come and join us in this song. On se retrouve sur le Cricut Access. J'ai ma voix qui part en live, je suis vraiment désolée, mais il faut absolument que je sorte cette vidéo, donc malade ou pas malade, je suis là pour vous faire les voix off. Je suis vraiment désolée si jamais c'est pas top à écouter. Donc au tout début, j'ai cherché Hot Chocolate sur en fait les trucs de projet, je suis désolée, j'ai plus parlé, j'ai pas trouvé, mais vous allez voir qu'après j'ai trouvé, donc je vais vous montrer. Mais comme j'avais pas trouvé, bah, j'ai décidé de le faire moi-même avec sur Cricut Access en faisant les écritures, et vous allez voir qu'en fait vous avez les deux possibilités, soit prendre quelque chose qui est déjà fait, soit le faire vous-même. Donc en fait c'est pas plus mal que j'ai pas trouvé dès le début, comme ça j'ai pu quand même vous montrer comment j'ai fait toute seule. Donc je clique sur nouveau,
je vais arriver sur une page vierge, je vais enlever les 100% et je vais mettre à peu près à 50% et je vais faire mon texte. Donc au tout début, je voulais marquer hot et barre avec la même police et ensuite chocolate un petit peu plus avec une écriture script. Et finalement, j'ai changé, j'ai pas tout filmé, mais vous allez voir après comment j'avais fait. Donc j'avais mis des vagues, un arrondi et tout. Et franchement, c'était plutôt pas mal. Après, je vous avoue que quand j'ai trouvé ce que je voulais exactement, bah, j'ai pas gardé le mien, mais c'était plutôt pas mal. Et donc là, je suis allée dans images. Et à la base, je cherchais juste un chocolat chaud dans une tasse pour le rajouter. Et en fait, en descendant, c'est là que j'ai vu qu'il y avait carrément tous les panneaux de fées. Donc, j'avais même pas besoin d'aller dans la communauté. Et c'est en allant dans la communauté que je trouvais pas. Mais finalement, c'était directement dans les images Cricut. Donc, si jamais vous avez une Cricut, n'hésitez pas à aller dans images directement et non pas dans la communauté. Et il y en avait vraiment des très, 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 très beaux pour faire des petits tableaux, des plus grands et tout. Franchement, il y avait de tout. Et c'est juste magnifique sur Cricut. Ce qui est trop bien, c'est que vous avez pour toutes les saisons. J'ai eu un énorme coup de cœur sur celui-ci. Vraiment, je le voyais exactement comme ça dans ma tête. Donc j'ai cliqué dessus et vous allez voir donc celui que j'ai pris qui était déjà tout fait avec celui que j'avais décidé de faire, ça ressemble énormément. Donc voilà, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Moi finalement j'ai supprimé celui que j'avais fait manuellement et je vais rester sur celui-ci. Je vais l'agrandir pour avoir la taille souhaitée par rapport à ma Cricut parce que j'ai une Cricut Joy donc je peux pas faire d'énormes découpages avec, mais quand même j'ai réussi à faire un grand tableau. Là je vais récupérer ma petite Cricut Joy dans mon petit bac où je mets tous mes vinyles. Bon, il y a aussi ma lampe UV. Et il y avait mon truc ultrason pour écouter le cœur du bébé avant. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là, mais vous connaissez, on a toujours une boîte où on met un peu de tout. Donc je vais prendre ma Cricut Joy. Je suis désolée là au niveau de la caméra, ça m'a fait un petit peu jeune parce que ça faisait un gros focus sur l'ordi. Je vais prendre un vinyle permanent blanc et puis je vais tout mettre à découper. Une fois que la découpe est terminée, moi je vais couper les mots un à un pour après pouvoir les placer et je vous le dis à chaque fois. Donc là cette vidéo elle n'est pas du tout sponsor par Cricut, mais quand j'en avais fait, je vous avais dit les chutes ne les jetez pas, gardez-les parce qu'après vous pouvez les réutiliser sur un tapis de transfert tout simplement. Là on l'utilise en smart vinyle donc on ne met pas de tapis, mais si jamais vous pouvez utiliser un tapis, mettre votre chute et après dans tous les cas vous voyez que l'écriture vous pouvez la mettre d'un bout à l'autre du tapis. Donc voilà, ne jetez pas vos chutes. Là je vais prendre ma bande de papier transfert, donc là elle était un tout petit peu trop collante et j'ai eu du mal après à transférer mon vinyle sur la partie avec de la peinture, mais je vais vous donner la petite astuce que j'ai trouvée sur internet. Donc je vais prendre mon tableau, je vais le poser sur mon bureau et là je vais voir où est-ce que je vais placer mes mots. Je suis dégoûtée parce que vous allez voir après le hot et le cocoa, je les ai trop espacés, mais c'est pas grave, c'est pas choquant. Donc là ce que je fais c'est que j'enlève ma bande de transfert, j'avais oublié d'enlever l'intérieur du B donc c'est ce que je vais faire. Et je vais poser mon vinyle sur le tableau. Le problème comme je vous disais c'est que mon vinyle, ma bande de transfert était trop collante par rapport au vinyle, donc ce qui a fait que quand je l'ai posé sur ma surface, et ben en fait ça adhérait pas. Si j'enlevais la bande de transfert, le vinyle partait avec. Donc j'ai trouvé une solution. Bon là sur celle-là c'était mort, c'était cuit, il fallait que je continue comme j'avais fait. Donc une fois que ce sera posé, je vais prendre tous mes petits accessoires, je vais bien appuyer pour que ça colle et je vais y aller petit à petit pour décoller lettre par lettre. J'ai bien galéré. Mais pour le reste, du coup, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez votre bande de transfert et vous la passez sur vos vêtements pour enlever l'adhérence. Parce qu'en fait, elles sont tellement efficaces qu'elles collent beaucoup. Et selon la surface que vous utilisez, et ben en fait, le vinyle ne va pas coller. Par exemple, là, vu que c'était de la peinture, ça a eu du mal à coller. Ça aurait été, je sais pas, du PVC ou quoi. Je pense que ça aurait marché.
Mais du coup, voilà, la bande de transfert était trop collante, donc il faut la passer sur vos vêtements plusieurs fois pour qu'elle prenne des petits poils dessus, enfin qu'elle soit moins adhérente et comme ça, ce sera moins galère. Comme je vous disais, le cocoa, je l'ai mis trop près du bord. Donc après, quand il a fallu que je colle le hot, et ben, ça a fait trop d'espace entre les deux. Mais bon, c'est pas choquant. Et c'est ce que je vous disais dans l'intro. Donc là, j'utilise la Cricut parce que je l'ai et que ben, je vais pas me priver. Franchement, elle est trop bien. Je vous la conseille à 1000%. Mais si jamais vous ne l'avez pas, prenez un feutre blanc tout simplement. Les feutres ardoises, vous savez que les restaurateurs utilisent pour mettre sur leur carte là, le menu de la journée ou de la semaine. Écrire avec votre feutre créé. Et si vous voulez, vous pouvez même imprimer d'abord ce genre de petit texte là déjà fait, vous en trouverez plein sur Pinterest, sur Google Images. Vous prenez une feuille de calque, vous décalquez et ensuite vous écrivez sur votre tableau avec du coup du papier crayon et ensuite vous réécrivez avec votre feutre crayon. Je sais pas si c'est hyper clair comme je le dis, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir la Cricut. C'est sûr que la Cricut ça aide et que c'est top parce que c'est beaucoup plus rapide, mais vous pouvez tout à fait le faire avec un calque et un feutre crayon. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est vraiment mon DIY préféré parce que ce genre de cadre, bah, y en a plein aux États-Unis, mais ici on n'en trouve pas. Ensuite, un autre petit DIY hyper simple que j'ai trouvé pareil sur YouTube. Alors vous prenez une jarre ou alors un vase. En l'occurrence, c'est beaucoup mieux les bonbonnières qu'il y a chez Ikea, mais j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris un vase ouvert. Je vais mettre un petit peu de farine au fond, donc c'était une farine qui avait été trouée, que je pouvais plus utiliser, donc j'en ai profité. Et je vais mettre des petites maisons lumineuses que j'ai prises chez Maison du Monde à l'intérieur et des petits sapins. Ensuite, je mettrai une guirlande lumineuse et voilà, ça vous fait une petite déco en mode les maisons sous la neige avec les petits sapins et tout. C'est trop mignon et ça vaut rien. Le vase, je crois que je l'ai payé 5€. Les maisons, la petite, elle a 5, la grande, elle a 8. Les sapins, ils sont à 2€. Et la guirlande lumineuse, pareil, 3-4€ chez Action. Et vous avez un superbe vase. J'ai quand même essayé de mettre mon gros sapin à l'intérieur, mais ça ne passait pas, donc j'ai préféré en mettre juste deux petits. Voilà ce que ça donne pour ce petit vase. Je trouve ça vraiment trop choupi. Je vais vous montrer aussi avec la lumière complètement éteinte. Ça ressort énormément. Je pense à laisser le soir comme ça. Enfin, c'est super beau. Et le fait que ce soit dans un vase, ça illumine aussi tout ce qu'il y a à côté. Et franchement, c'est trop beau. Facile à faire et surtout pas cher. Maintenant, on va se retrouver pour une petite planche pour le Père Noël. J'ai vu ça pareil plein de fois sur Pinterest. Je trouvais ça trop beau. Donc, j'ai fait exactement les mêmes étapes que pour l'autre DIY, j'ai trouvé ça directement sur image et là je vais faire découper avec la Cricut, donc je vous ai passé toute l'étape parce que c'était exactement pareil. Je vais tout faire découper, cette fois-ci j'ai décidé de prendre un vinyle noir pour changer, pour que ça ressorte aussi un peu. J'ai hésité avec le rouge pour que ça fasse vachement Noël, mais je me suis dit que le noir ressortirait mieux. Donc j'ai acheté une planche en bois, tout simplement une planche de découpe, et je vais coller dessus, donc c'est exactement la même étape que pour le tableau. J'ai tout fait découper et ensuite je vais découper les mots par mots. Les chutes, je les garde pour une prochaine fois et puis ensuite j'aurai juste à coller sur ma planche en bois. No one cares about yesterday. My favorite holiday. It means so much more than
Et là, je vais utiliser ma bande de transfert, donc comme je vous disais, que j'ai passé sur mes vêtements avant pour qu'elle soit moins collante. Je vais y déposer mon vinyle et ensuite je vais tout coller. Donc comme vous l'aurez remarqué, c'est une petite planche pour le Père Noël pour pouvoir mettre la carotte des rennes, le biscuit et le verre de lait pour lui. Bon, c'est une petite tradition qu'on met le 24 au soir en dessous de notre sapin pour remercier le Père Noël de nous avoir apporté plein de cadeaux. Et ça, c'est comme le cadre, vous pouvez tout à fait le faire avec un feutre permanent ou alors le feutre créé, parce que si jamais vous achetez sur Amazon, c'est un lot et vous avez toutes les couleurs. Et vous avez juste à écrire vous-même avec une jolie écriture, donc essayez de vous entraîner d'abord avec un crayon à papier et ensuite de repasser, mais c'est hyper simple et franchement c'est trop beau, on peut personnaliser avec les noms des enfants, donc forcément ils aiment beaucoup. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. Si jamais vous aussi vous êtes adepte de DIY, petit bricolage et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, au moins bah, on va se retrouver sur ce point là. Moi en tout cas j'aime beaucoup, ça me détend et tout d'en faire. J'aime beaucoup faire des activités avec mes enfants, mais j'aime beaucoup faire ce genre de petit bricolage toute seule sur le week-end ou quoi. Ça me détend de fou, surtout la peinture, enfin j'aime vraiment ça. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est pareil, si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits cœurs rouges et si jamais vous avez l'iPhone à me mettre aussi les émoticônes bricolage là avec les outils. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je vous le dis à chaque fois mais vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné, franchement ça me ferait hyper plaisir parce que ça va référencer mes vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et on se retrouve pour la prochaine vidéo comme je vous l'ai dit qui sera normalement la décoration de Noël. Je vous fais plein de bisous.